La semaine du 23 au 27 juillet, une centaine d'enfants des plaines des Jeux de la région de Charleroi avaient rendez-vous à Marche-en-Famenne afin de passer une semaine dans le camp militaire. Full TV est allé à leur rencontre et vous propose ce petit reportage. Chargé d'information publique de la 7e brigade, dans le cadre de notre partenariat avec Charleroi, qui est la ville marraine du 2e chasseur à pied, où nous avons repris les traditions, où nous accueillons pendant 2 semaines les enfants de plaine de Charleroi. Et en quoi consiste exactement ce camp? Quelles sont les activités que vous proposez? Et nous avons deux programmes symétriques. Il s'agit en fait d'une initiation simple à la vie militaire, un peu d'armement, un peu de lecture de cartes, du sport, des activités typiquement militaires. On a été à un stand nucléaire pour voir comment on se défend des attaques nucléaires et tout. Puis on a regardé un film comme... Exemple, quand on a détruit quelque chose avec des attaques nucléaires, les dégâts que ça a fait. Des missiles et on doit porter un masque.